Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans les Deux-Sèvres, à Mel, où je viens apporter mon soutien une fois de plus au collectif Bassines Non Merci, qui lutte contre des bassines d'irrigation. Alors, qu'est-ce que sont des bassines d'irrigation? Alors, pour vous donner une explication un peu imagée, ce sont des immenses piscines de plusieurs millions de mètres cubes d'eau qui doivent servir à irriguer ici des cultures très gourmandes en eau. Alors, pourquoi on se bat avec le collectif Bassines Non Merci contre ce projet-là? Parce que c'est un projet qui est tout à fait ubuesque et qui en plus ne répond pas à l'urgence climatique. On nous dit qu'on va prélever en hiver dans les nappes phréatiques pour remplir ces bassines pour arroser l'été. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend une réserve qui existe déjà, la réserve de la nappe phréatique, on pompe cette eau pour remplir des bassines. Donc en fait, on assèche une réserve pour en remplir d'autres. Une réserve, la nappe phréatique, qui est à usage commun, qui est un bien d'intérêt général, pour des intérêts privés de quelques agriculteurs sur ces bassines d'irrigation. Donc vous comprenez bien que ça ne fonctionne pas, et l'imposture qui revient à dire que c'est prendre l'eau qui tombe en hiver pour la redistribuer en été ne marche pas, puisque l'eau qui tombe en hiver, elle sert bien à recharger la nappe phréatique qui est utile à tous. Donc nous, ce que l'on défend, c'est un autre modèle, tout simplement, d'agriculture qui soit moins gourmand en eau et qui ne mobilise pas des dizaines de millions d'argent public comme c'est le cas pour le service de quelques agriculteurs. Il faut ici, en Deux-Sèvres, mais aussi en Charente, sur ce territoire du Marais Poitevin, développer une agriculture paysanne qui soit résiliente au changement climatique. Alors on est, je viens de vous le dire, en Marais Poitevin, parce qu'il y a aussi un enjeu derrière cette affaire des bassines, c'est celui de l'alimentation en eau du Marais Poitevin et de la préservation de cet écosystème essentiel. Essentiel pour plusieurs choses. Pour la biodiversité, c'est la deuxième zone humide en taille dans notre territoire national, mais c'est aussi ces zones humides qui, de l'avis de tous les spécialistes, peuvent aujourd'hui être un tampon au choc extraordinaire que nous avons à subir sur le changement climatique. Donc voilà pourquoi il ne faut absolument pas que ces affaires de bassines d'irrigation, de ces grandes piscines, se fassent et que l'argent public soit aujourd'hui utilisé à d'autres choses, à la réorientation de la production agricole vers un modèle d'agriculture paysanne, locale, qui réponde à l'intérêt général, qui permette de générer du revenu et une vie décente pour les agriculteurs et qui nous produise une alimentation saine. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces affaires de stockage d'eau, des stockages d'irrigation de bassines. Bien sûr, c'est une question qu'il faudra aborder et je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette affaire sur la ressource en eau. Pour parler du stockage, je serai dans les Hautes-Pyrénées, à côté d'un barrage hydroélectrique, les barrages hydroélectriques qui sont la première réserve d'eau potable dans notre pays. Voilà. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous. Au revoir. Alors, mon micro est OK. Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une deuxième fois, donc comme la semaine dernière, à la même heure, pour une deuxième audition populaire, puisque la première a été un petit succès. Aujourd'hui, pour cette audition, la thématique qui va être abordée, ça va être celle de la gestion de l'eau. L'eau qui est notre bien commun fondamental, et c'est nécessaire de le rappeler, malheureusement. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Julien Leguet de Bassines Non Merci. Julien qui va être auditionné aujourd'hui par Mélissa. Petit changement par rapport à la semaine dernière, puisqu'on aime bien tourner un peu. Et enfin, c'est toujours le même bonhomme qui a la régie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué qu'avant. Il y aura des petites vidéos, il y aura des petites images, il y aura un petit entracte aujourd'hui aussi avec la diffusion d'un épisode de BNM TV. Et on va revenir rapidement sur le principe de l'émission avant de commencer. C'est de récolter un maximum d'informations et de propositions par rapport à chaque thématique qu'on va couvrir pour nourrir nos réflexions programmatiques à la fois pour les prochaines départementales, régionales et pour notre programme national. Et sur l'organisation de cette audition, elle va être découpée en trois temps. Tout d'abord, il y aura une présentation de Julien, et puis Julien va se présenter, Mélissa aussi, et puis ils vont contextualiser ensuite leur présentation, leur lutte au sein de Bassines Non Merci. À la suite de ça, il y aura une petite pause, et on enchaînera après avec les propositions et les réponses aux questions. On verra en fonction de comment ça se dégoupille tout ça. Donc Mélissa et Julien, je vous laisse la parole pour cette audition. Merci Axel. D'abord Julien, merci d'avoir accepté notre invitation.
et de faire du coup ensemble cette audition sur la gestion de l'eau. Alors pour nous, c'était un petit peu incontournable de faire appel au collectif Bassines Non Merci pour parler de cette question-là. D'une part parce que la lutte actuelle contre le projet de 16 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre-Niortaise et du Mignon n'a de cesse de faire parler d'elle depuis ces 4 dernières années. Et donc l'idée, c'est évidemment qu'on parle de voilà, qu'est-ce que ce projet de bassine, quelles conséquences ça a sur la gestion de l'eau. Et peut-être, Julien, ce que tu peux faire, c'est te présenter dans un premier temps, présenter aussi le collectif, qui est un collectif citoyen, et qu'est-ce que c'est que ce fameux projet de bassine sur le territoire. Je te laisse la parole. Oui, eh ben, salut à tous, et puis merci d'organiser des choses comme ça. L'intelligence collective, c'est comme ça qu'elle peut se construire. Et puis en ces temps confinés, on est obligé d'innover dans les manières de militer et de faire passer les messages. Donc allons-y. Alors pour ce qui est de la présentation du bonhomme, je suis Julien Leguet, je suis batelier, animateur nature dans le Marais Poitevin. Et la fonction qui m'incombe dans le collectif Bassines Non Merci, c'est que je suis un des porte-paroles, pas le seul, hein, et voilà, mes prérogatives, elles sont juste là. On me fait parler dans les micros et je refuse pas l'exercice, voilà. Par rapport au collectif citoyen Bassines Non Merci, c'est un collectif composite, c'est un collectif déjà informel. Il n'y a pas de statut en préfecture. On y rentre, on y sort à volonté. On peut être un simple citoyen qui a envie de s'investir, tout comme on peut être une organisation, un parti, un syndicat. Et c'est important à dire parce qu'en effet, le collectif, il est pluriel, il est très élargi. Aujourd'hui, en son sein, si on parle des organisations, ben, il rassemble la Confédération paysanne, il rassemble des syndicats comme le SNU, la CGT est toujours très proche, les relais, ils nous aident. France Insoumise est fidèle depuis le début, ELV également au niveau des partis n'a jamais dérogé au soutien et à son investissement dans la lutte. Et puis des associations de protection de l'environnement, Nature Environnement 17, LAPI, SOS Rivière, etc., etc. En tout, on est en général autour d'une trentaine d'organisations à s'investir dans ce projet. Ce que je propose, parce que je ne sais pas dans quelle mesure les gens qui vont participer à cette conférence, à cet échange, savent bien de quoi on parle quand on parle de bassines. Et puis également, je vais faire tout de suite limiter un petit peu notre domaine de compétences et ce dont on va parler ce soir. Parce que si on va parler de la gestion de l'eau, on va bien parler du grand cycle de l'eau. Voilà, c'est-à-dire le cycle de l'eau, des sources à la mer, des interactions, l'agriculture là-dedans, etc., les interactions avec l'eau potable. Mais par contre, on ne traitera que très peu de la problématique des stations d'épuration, de toute la problématique de la distribution d'eau, de la gestion en régie, etc. J'ai à la fois personnellement peu de compétences dans le domaine. C'est évidemment que tout ça est inter. Le petit cycle de l'eau est compris dans le grand cycle de l'eau, mais c'est bien de ça dont on va parler. Pour ce qui est des bassines, alors bah, les bassines, déjà, c'est un terme que nous, militants de la première heure sur cette thématique-là, on a utilisé il y a 15 ans pour dire le côté complètement artificiel de ces ouvrages. Parce qu'en fait, une bassine, c'est des hectares et des hectares de plastique. Peut-être que dans l'expression première, on s'est un peu planté parce qu'on aurait dû parler tout de suite de méga-bassines ou de méga-cratères plastifiés parce que des retenues d'eau, on en voit un peu de toutes sortes en France. Ça va du grand barrage à la petite retenue, au bassin d'orage qu'on voit parfois le long des autoroutes. Et puis même auprès des exploitations agricoles, il y a des fois ce qu'on appelle des bassins tampons qui sont beaucoup plus réduits et qui sont là pour sortir l'eau de la nappe phréatique pour ensuite pouvoir arroser. Quand on parle de bassines, on parle d'ouvrages énormes, d'ouvrages qui font en moyenne 10 hectares, qui font en moyenne entre 15 et 20 mètres de profondeur. Pour creuser une bassine, ben c'est pas bien compliqué. Il faut des grosses machines, des bulldozers, des fois de la dynamite selon la nature du sol. En tout cas, creuser d'abord un trou. Je vous dis entre 5 et 10 mètres de profondeur selon les secteurs. Et toute la matière comme ça qui est excavée va être travaillée avec des gros engins pour venir constituer des digues, donc qui vont faire autour de 10 mètres de haut et qui vont encercler le cratère. Et c'est comme ça qu'on constitue une réserve d'eau jusqu'à 20 mètres de profondeur.
Donc déjà, ça c'est une première approche, un des premiers éléments qui peut en alerter certains d'entre nous, c'est le gigantisme. C'est encore dans ce courant de pensée qui fait qu'on pense qu'à chaque solution, à chaque problématique, il y a une solution technologique, lourde, coûteuse. Et on parlera par la suite des solutions basées sur la nature à mettre en opposition de ce genre de grand délire. Les bassines, on les classe bien dans cette catégorie des grands projets inutiles, démesurés, écocides. Et un élément très très fort qu'il faut tout de suite tous bien se mettre en tête, parce que notamment les porteurs de projets jouent beaucoup sur la, comment dire, la confusion. Ces bassines ne sont pas remplies avec de l'eau de pluie. Hein, faut être très clair là-dessus. Quand on parle de pluviométrie annuelle moyenne en Poitou-Charentes entre 800 et 1100 millimètres, ça veut bien dire que si on arrivait à emmagasiner toute l'eau qui tombe au mètre carré, on pourrait remplir 80 centimètres à 1,10 m. Et les bassines, comme je vous l'ai dit, font 20 mètres de profondeur. Donc, ça n'est pas comme ça qu'elles se remplissent. Elles sont bien remplies par pillage de la nappe phréatique en faisant des forages dans la roche calcaire pour aller chercher l'eau qui constitue déjà une réserve naturelle d'eau douce qui est essentielle puisque cette nappe phréatique, c'est à la fois cette nappe qu'il faut maintenir en meilleur état possible si on veut alimenter les rivières et les marais tout au long de l'année et y compris dans les périodes les plus sèches. Et également, cette eau des nappes phréatiques, ben, quand on pille la nappe phréatique, on interagit directement avec l'enjeu eau potable puisque c'est bien cette eau qui est de plus grande qualité puisque filtrée par le calcaire, qui est beaucoup plus facile à potabiliser que si vous prenez la flotte dans un marais de surcroît marais ou tout autour, on va cultiver avec nitrates, pesticides et compagnie, où là les coûts de dépollution pour rendre l'eau potable sont très supérieurs. Voilà. Donc voilà le dispositif bassine, des ouvrages énormes, plastifiés, remplis avec de l'eau de pluie. Je ne sais pas si Vanessa, Mélissa, si tu veux que je continue à dérouler ou si à ce stade-là. Pour qui ces bassines, en fait, elles vont être, par qui elles vont être utilisées, en fait, qui, en fait, va avoir accès à cette eau-là, parce qu'en fait, tu parlais que c'était démentiel, enfin, c'est aussi un coût d'argent, enfin, financier qui est énorme et qui est aussi subventionné en grande partie par de l'argent public, qui va concerner une minorité d'agriculteurs. Enfin, voilà, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce Bien point? sûr. Bien sûr. Un des éléments qui, depuis le début, motive le collectif à s'être constitué, c'est pas tant le fait de créer des réserves ou même pas tant le fait d'irriguer. C'est vraiment la question de au service de quoi sont mises en place ces bassines. Il faut être très clair, ces bassines, elles sont créées dans un usage unique, qui est le soutien coûte que coûte au modèle agricole dominant qu'on peut voir sur nos plaines partout dans le Poitou-Charentes et qui est basé sur la céréale intensive, avec en particulier une culture emblématique dont il est grand temps de se poser la question de la pertinence de cultiver une plante tropicale sur des sols qui dessèchent très vite dans un contexte de réchauffement climatique. Vous l'aurez bien compris, c'est le maïs, puisque un des éléments importants à bien se mettre en tête, c'est que ces bassines, ces 16 bassines contre lesquelles le collectif s'est constitué, ne sont pas les premières bassines du territoire. Il existe déjà une trentaine de bassines sur le pourtour, sur les bassins versants du Marais Poitevin, 25 sur les différentes rivières censées alimenter le Marais Poitevin, que sont le Lay, la Vendée et l'Authise, pour tout le sud Vendée, et puis également la vallée du Mignon, qui au niveau de la Charente-Maritime a été l'objet d'une première vague de construction de bassines ces 15 dernières années. Il y en a 6 aujourd'hui qui sont établies. Et puis ensuite, il y en a par-ci par-là, déjà aussi un petit peu en Deux-Sèvres, autour de Salles notamment, autour du Bourdet également, il y a un ouvrage de ce type-là. Et très clairement, c'est l'évidence, ces bassines, contrairement à ce que peuvent annoncer parfois les porteurs de projets, sont bien là pour pérenniser coûte que coûte ce système-là qui est exsangue. Il ne s'agit pas du tout pour eux de se poser la question de savoir s'il faut adapter les cultures au changement climatique ou aux demandes sociétales qui sont en train d'évoluer fortement. Il s'agit de maintenir notamment la culture de maïs à vocation d'export. Coûte que coûte. Et donc, il y a bien un biais d'emblée, puisque on conditionne les conditions de partage de l'eau, non pas en fonction des besoins globaux, mais en fonction des besoins de quelques-uns. Et comme tu l'as dit à très juste titre, Mélissa,
un autre élément qui peut scandaliser et qui peut faire avoir envie de se battre contre les bassines, c'est le coût, c'est l'argent public qui est investi dans ce type d'ouvrage. Puisque là, pour les 16 bassines du sud de Sèvres, c'est un budget global de 60 millions d'euros, financé à 70% par de l'argent public. Cet argent public, c'est l'agence de l'eau, c'est l'Europe, c'est le département en moindre mesure, c'est la région. Très clairement, là, on peut d'emblée se poser la question de la justice et de la justesse de ce type de mesure, puisqu'il s'agit d'accaparer, de confier une eau qui est un bien commun et qui dont les besoins vont largement au-delà des besoins agricoles. Hein. C'est la même eau qu'on puise pour qui doit sauvegarder les milieux naturels, c'est la même eau qu'on va retrouver au robinet. Donc c'est un double accaparement à la fois d'argent public pour quelques-uns et de l'eau comme de ce bien commun qu'est l'eau, quoi. Tout de suite, je vais préciser, je vais aller un petit peu sur l'historique de la lutte et qu'est-ce qui fait et où on en est aujourd'hui, voilà, dépeindre un petit peu tout ça. Tout de suite, pour commencer, et dire que si le collectif Bassines Non Merci est en action depuis presque 4 ans aujourd'hui, et je vais rentrer un petit peu dans les détails, ça fait 15 ans qu'il y a une poignée de forcenés autour du Marais Poitevin qui luttent contre ces projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bassines, en fait, en réalité, c'est une idée qui est sur la table et soutenue par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2001. Et le rapport Roussel était un chargé de mission interministériel qui était venu enquêter sur le Marais Poitevin, sur le Marais Poitevin, parce qu'il y avait un gros souci. C'est que autour du Marais Poitevin, la France avait été condamnée par la Cour européenne de justice pour non-respect des directives environnementales qu'elle avait signées, la directive Habitat, la directive Oiseaux, qui ont vocation à sauvegarder les espèces en voie de disparition à l'échelle européenne. Et comme le Marais Poitevin, malgré toutes les agressions qu'elle subit depuis des siècles, on pourrait dire, continue à résister, à être un creuset d'espèces protégées, on avait pu démontrer par A plus B à l'époque que la France ne faisait pas le boulot, puisque d'un côté, elle disait vouloir sauvegarder ses espèces, et de l'autre côté, continuait à financer notamment des opérations de drainage de prairies naturelles humides, fondamentales pour la migration des oiseaux européens. Et donc, suite à ce contentieux qui avait été ouvert à la Cour européenne de justice, Roussel était venu auditer et a présenté un plan avec des millions d'euros à la clé. Un des gros points noirs qui avait été relevé par Roussel et par l'Europe, c'était la gestion de l'eau qui n'était pas du tout en adéquation avec les enjeux de préservation du milieu, puisque déjà à l'époque, et en fait depuis les années 70 que le maïs s'est développé sur le territoire, on se rend bien compte que arroser les plaines, c'est bien à l'encontre du niveau d'eau qu'il y a dans le marais, et que quand on épuise des nappes, en réalité, c'est le marais qui est vidangé et c'est l'eau du marais qui retourne dans les nappes phréatiques pour alimenter tous ces pompages. À l'époque, Roussel avait sorti de son chapeau, on avait su lui souffler dans l'oreille, qu'il y avait une solution miracle qui s'appelait alors non pas les bassines, mais les réserves de substitution, c'est le nom officiel. Si vous voulez faire des recherches sur Internet et trouver tous les documents, c'est ce terme-là qu'il faut taper. Ça vaut le coup de s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que ça explique aussi comment les porteurs de projets vont défendre et arrivent à faire financer ce genre de projet complètement hallucinant. Le concept de substitution, c'est l'idée de se dire, puisqu'il y a beaucoup d'eau en hiver et puis pas beaucoup en été, on va constituer des stocks en hiver de manière à moins puiser en été. Ce à quoi, déjà dès l'époque, un certain nombre d'associations de protection de l'environnement n'avaient pas forcément mis un grief. Ils se disent, pourquoi pas ? Grosso modo, si on se dit les 10 millions qui sont pris sur la vallée de la Sèvre, au lieu de les prendre les 10 millions en été, il y en aurait 8 millions en hiver et puis 2 millions en été. Peut-être qu'en effet, en termes de quantité d'eau encore disponible en été, on aurait pu espérer un mieux en termes de débit des rivières notamment. Sauf que le constat qui est fait sur tous les projets de bassines, et c'est ce qui fait, c'est un des éléments très forts qui fait que jusqu'à maintenant les bassines ne sont pas sorties de terre, c'est que systématiquement, notamment les associations de protection de la nature comme Nature Environnement 17, ont pu démontrer que derrière les bassines, il y avait toujours une volonté, un objectif d'augmentation des volumes consacrés à l'irrigation. Très concrètement, si on parle du dossier des bassines sur les Deux-Sèvres, la consommation moyenne consacrée à l'irrigation depuis sur les 10 dernières années se situe entre 10 et 11 millions de mètres cubes. Et avec les bassines, nouvelle version, où il s'agirait de stocker autour de 8 millions de mètres cubes
mais de continuer à stocker autour de 5, de consommer directement dans la nappe autour de 5 millions de mètres cubes, auxquels il faut rajouter les 2 millions de mètres cubes de bassines qui ont déjà été créées sur les différents bassins versants, ben tout ça nous emmène à 15 millions de mètres cubes. Et là où déjà on peut faire le constat que depuis 10 ans, malgré ces 10 millions de mètres cubes, pratiquement chaque été, les rivières sont à sec, tous les petits chevelus qui alimentent le marais sont à sec. Donc déjà, ça nous indique que les 10 millions ne sont déjà pas supportables par le milieu naturel. On nous propose, là, par une opération prométhéenne, de pouvoir multiplier par 2, par 1,5 les volumes utilisés, et en fait par 3 par rapport à ce que le milieu serait en mesure de vraiment nous fournir, quoi, en capacité de nous fournir. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça explique qu'aujourd'hui, les bassines projetées sur les Deux-Sèvres font déjà partie d'un grand plan qui est déjà en partie réalisé. Puisque dans le rapport Roussel, à l'époque, en 2001, il tape sur la création de 50 bassines en 10 ans et pour un budget global de pratiquement 300 millions d'euros. Et aujourd'hui, en réalité, elles n'y sont pas tout à fait, les 50 bassines, mais il y en a déjà une trentaine qui fonctionnent, dont 6 fonctionnent illégalement, hein, celle dont je parlais sur la Charente-Maritime. En fait, on fait l'objet de multiples arrêtés et de multiples décisions en tribunal administratif et continue à être régulièrement remplies sous régime dérogatoire. Et il est important de se dire pourquoi ça a commencé en Vendée et en Charente-Maritime et pourquoi ça n'avait pas démarré en Deux-Sèvres. En fait, en Vendée, très rapidement, le conseil général et De Villiers en tête à l'époque avaient dit « il n'y a pas de problème de financement, on trouvera les financements ». Ils avaient trouvé d'autres cofinanceurs, hein, ils avaient réussi déjà à emmener l'Europe dans ce délire-là. L'agence de l'eau avait déjà mis la main à la poche. Mais ils avaient du mal à lever les fonds régionaux et le département a dit « c'est pas grave, nous on ira ». Par contre, en Poitou-Charentes, puisqu'à l'époque la région s'appelait Poitou-Charentes, sous la mandature de Ségolène Royal, à l'époque, Benoît Biteau, qui est encore très actif aujourd'hui dans la lutte contre les bassines et qui aujourd'hui a été élu eurodéputé européen, eurodéputé sur la liste ELV, avait fait placer dans un règlement d'intervention conditionnant les financements croisés entre l'Europe et la région, le fait que si des bassines devaient voir le jour, c'était nécessairement dans le cadre d'une décroissance en termes de surface irriguée et de volume consacré à l'irrigation. Et comme depuis, on a pu démontrer que les bassines, les projets de bassines actuels allaient dans le sens d'une augmentation, eh bien cet élément-là, simple, fait que les financements européens et régionaux sont en théorie bloqués, puisque ce fameux PDR, le Programme de Développement Régional, est encore, Poitou-Charentes, est encore en vigueur aujourd'hui dans l'accord avec l'Europe. Et qu'est-ce qui fait que en 2016, on s'est dit que la mouche allait changer d'âne? C'est qu'on a bien vu que la fusion Nouvelle-Aquitaine, chez nous, correspondait au contraire à une recentralisation des pouvoirs. Et on a très vite vu avec le profil de Rousset qu'en fait, là, clairement, c'était l'EPS, l'EPS co-gestionnaire dans tout le sud-ouest, co-gestionnaire avec les FNSEA au niveau des chambres d'agriculture, etc., qui allait être au pouvoir. Et on savait que ce verrou qu'avait mis la mandature royale en place allait sauter. Et ça n'a pas manqué, puisque quelques mois plus tard, on apprenait, comme on le craignait, qu'une enquête publique était lancée, là on est en février 2017, pour lancer un projet de 19 bassines sur les bassins de la Sèvre Niortaise. Alors là, je vais expliquer un petit peu comment est né le collectif et comment on a commencé à s'agglomérer autour de cette cause. On était déjà plusieurs à être alarmés et à savoir que l'enquête publique allait être comme toutes ces autres enquêtes publiques, à savoir que la publicité ne serait pas assurée, que les gens passeraient à côté. Et donc, il y a eu un premier noyau qui s'est constitué, qui a fait un truc tout bête, qui a été d'aller tracter sur les marchés pour inviter les citoyens à aller déposer à l'enquête publique et à prendre connaissance des éléments techniques. Et finalement, ça a été un premier succès, puisque il y a près de 600 citoyens qui ont été contribués, qui ont fait le déplacement en mairie. C'est énorme, hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi ceux qui écoutent, qui sont coutumiers du fait d'aller déposer en enquête publique. C'était déjà un signal très, très fort. Deuxième signal très fort, c'est que quelques semaines après, les commissaires enquêteurs ont dû produire leurs conclusions et leurs analyses de tous les dépôts qui avaient été faits.
Et on avait, nous aussi, fait le même travail. Et on s'était aperçu que 70% des dépôts étaient contre les bassines et avec des contributions très richement argumentées. Ce qui déjà, tiens, ça peut être une idée pour les luttes futures. Les enquêtes publiques peuvent être le lieu pour situer nos alliés et nos adversaires et également pour renforcer les argumentaires, puisque ben là, on avait en effet une base commune de choses ou même découvrir d'autres angles, dire ah bah tiens, moi je l'avais pas vu comme ça, mais en effet là aussi c'est problématique. Et ben on s'est retrouvé évidemment scandalisé quand on a vu qu'en dépit de ces 70% d'avis d'opposition ferme au projet, ben on se retrouvait avec un avis favorable des commissaires enquêteurs, sans réserve sur les réserves. Et ben, premier déni de démocratie et première évidence que ben, finalement ces enquêtes publiques, elles ont bien souvent l'objectif d'arroser ou d'habiller des démarches qui sont déjà calées, de faire avaler des pilules et de les vendre sous vertu de consultation, etc., alors que tout est déjà arbitré. En fait, il n'y avait plus grande marge dès cette époque-là de manœuvre ou d'adaptation du projet. Quand on va à l'enquête publique, c'est que le projet est déjà ficelé, puisqu'il s'agit derrière d'obtenir toutes les autorisations pour lancer les travaux et tout le pataquès. Donc, on s'est retrouvé. Il y a une date qui est importante dans la naissance du collectif, qui est au mois d'août 2017, où on s'est retrouvé à une vingtaine à Alloux, en Charente, aux 30 ans de la Confédération paysanne. C'était David Briffaut, super copain qui est actif, bah, qui est du Sud Vendée, et puis qui lui a subi l'installation des bassines de plein fouet, puisque c'est sur son territoire que toute la vallée de l'Authie, où ça s'est mis en place d'emblée. Puisque je parle de David, je vous invite tous à aller voir sur Vimeo, notamment un documentaire qui s'appelle « Pour quelques grains d'or », qui commence à dater, hein, qui est de 2006, et qui présente la présentation des premières bassines dans le Sud Vendée. Et malheureusement, tout ce qui est présenté dans Pour quelques grains d'or est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Il faut aller voir Pour quelques grains d'or. Et donc, David avait réussi à faire en sorte qu'un après-midi, on se retrouve à une vingtaine avec la conf, dès le début, évidemment, dans le tour de table, et qui nous ont fait dire on peut pas laisser ça comme ça. Et donc, un premier rendez-vous a été donné devant la préfecture au mois de septembre 2017. On s'est retrouvé 200. Pour accueillir les gens qui participaient au CODERST, c'est grosso modo la commission d'évaluation des risques sanitaires et technologiques où siègent les services de l'État, les décideurs, etc., les représentants du monde agricole, etc., pour leur faire déjà connaître notre opposition et notre premier ressenti de déni de démocratie. Et là, comme on était 200 à faire du foin et qu'ils n'avaient pas vu le truc venir, la préfète des Deux-Sèvres, Madame David, a accepté d'accueillir une délégation. Et c'était assez comique. On était 7-8 parmi les pivots qui sont encore aujourd'hui à la signe non merci. Et la préfète avait eu cette grande phrase « Vous êtes les premiers opposants que je rencontre à ce projet ». Évidemment, elle ne s'était pas trop posé la question. Enfin, pas si on discutait avec elle. Et voilà, pas des moindres. Et ça a été le début du bras de fer, parce que là, on a très vite compris qu'il y avait du mépris de la part et de l'incompréhension totale de ce qui pouvait nous agiter chez cette représentante de l'État. Et donc, l'étape d'après a été une étape forte. Ça a été la première grosse manifestation d'ampleur que nous avons organisée. Est-ce que tu m'entends encore, Mélissa? Je vois que tu ne bouges plus. Mélissa, tu t'es figée. Vous m'entendez encore? Oui, moi je t'entends encore. Ah. Bon, alors je continue. Ouais. Ça a été la première manifestation d'ampleur. En fait, une des touches de Bassine Non Merci, c'est qu'on organise régulièrement des grosses manifs. Alors, grosses manifs à l'échelle Poitou-Charente, hein, mais on est toujours entre 1000 et puis la dernière 4000 à se retrouver en race cambrousse, ce qui est assez remarquable. Pour dire non à ce type de projet. Et la première, en fait, on s'était aperçu que les gens du territoire, ce qu'ils n'avaient pas en tête, c'était l'immensité de ces bassines. Et donc, la première action symbolique a été de constituer une chaîne humaine autour de la plus grande des bassines qui est programmée sur ce projet, qui est la bassine d'Amuré, une bassine qui aurait une emprise au sol de 20 hectares. Et on avait calculé que pour faire le tour, en se donnant la main, il fallait être 1500 personnes. Et donc, on a tenu cet exploit, on s'est retrouvé autour de cette parcelle immense. On voyait que les copains qui étaient à l'autre bout, ils étaient loin.
On avait mis des drapeaux à 7 mètres de haut, qui était la hauteur de la bassine, pour que les gens se rendent un peu compte du volume et de l'énormité du truc. Et dès cette première étape, voilà, on était 1700. Donc très galvanisant, ça montrait bien que on n'était pas un groupuscule ou une poignée d'excités, mais que c'était une inquiétude forte des gens du territoire, parce qu'il fallait voir les profils, hein. C'est pas les gens qu'on voit sur les manifs à Niort, c'était beaucoup plus, voilà, ça, c'était très large, c'était familial, il y avait les papis, les mamies, des chasseurs, des agriculteurs, c'était vraiment très 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 large. Ça a déjà commencé, rien que cette première manif, à mettre un petit peu de sable dans les engrenages, puisque très rapidement, l'agence de l'eau a réagi en disant qu'ils financerait pas tant qu'il n'y avait pas une notion, qui est la notion d'éco-conditionnalité, qui serait mise en œuvre. L'éco-conditionnalité, c'est grosso modo de dire, ben, OK, on vous donne de l'argent public, OK, on vous donne de l'eau, ben, en compensation, on regarde ça, il y a des engagements environnementaux forts qui doivent être pris. Notamment, il s'entend d'amélioration en termes enfin, en termes de diminution de nitrate et de phosphate, et puis également de diminution de pesticides, quoi. Par la suite, il fallait maintenir le rapport de force, et on a continué à organiser ce genre de grosses manifs. Il y en a une qui a été aussi très importante à Mosée en mars 2018, où on a organisé la marche des pigouilles. La symbolique voulait que tous les participants ramènent un bâton le plus long possible, une pigouille, c'est ces grandes perches qui servent à pousser les bateaux dans le marais Poitevin, et viennent planter ces pigouilles dans le port municipal comme symbole de notre résistance, en disant bien aux décideurs que le jour où il faudrait ressortir les pigouilles pour empêcher les tracteurs et les bulldozers de venir ravager nos territoires, ben on serait présent. Et donc il y a eu une espèce de serment d'engagement réciproque où les 2500 personnes ont planté leurs pigouilles. À cette étape-là, l'édifice a commencé à vaciller. L'État a commencé à voir que ça merdait, que le projet ne passait pas, qu'il y avait déjà une résistance citoyenne forte, d'autant que début janvier, enfin janvier 2018, il y a 12 associations de protection de la nature qui ont posé un premier recours juridique contre l'arrêté autorisant la construction des bassines. Et en février 2018, il y avait une mission gouvernementale. Le préfet Biche, qui est venu sur le territoire pour auditer et prendre conscience et écouter les difficultés que rencontrait ce projet. Et tout de suite, on a gagné une première bataille technique. Biche a validé le fait qu'en effet, le projet était surdimensionné et correspondait bien à une augmentation des volumes consacrés à l'irrigation. Ce qui fait qu'au mois de mai 2018, il y a eu une mission gouvernementale complémentaire de représentants de la haute administration qui sont venus auditer sur ces questions de volume, avec grosso modo la mission de déterminer le volume qui serait la base de travail consensuelle sur lequel les uns les autres pourraient travailler comme préalable pour la mise en place de ce que Biche a mis en place par la suite. C'était les préconisations du rapport Biche. C'est-à-dire que ce type de projet de stockage d'eau devait forcément s'inclure dans un programme plus général qu'on appelle les programmes territoriaux de gestion de l'eau et qui, normalement, quand ils sont bien fichus, doivent prendre en compte la gestion de l'eau, mais pas simplement l'eau agricole, mais bien l'eau sous tous ses aspects et pour tous les usages. Et en fait, une des stratégies de l'État depuis a été d'habiller ce premier projet de 19 bassines en un projet de 16 bassines et en le présentant comme un projet de territoire concerté par l'ensemble des parties prenantes, par l'ensemble des usagers, ce qui est une arnaque sans nom, on y reviendra, puisque ben déjà il y avait tout un tas d'usagers qui ne faisaient pas partie du tour de table, à commencer par des usagers incontournables que sont ben, les paysans de la mer, hein, qui vont être le réceptacle de toutes les merdes qu'on va pouvoir faire en amont, ben, eux le subissent de plein fouet. Ben, jamais aucun mytiliculteur ou aucun pêcheur en mer ou même professionnel du tourisme. Comment? Ni le parc naturel. Ni le parc naturel marin n'ont été associés à ce type de démarche. Puis après, si on veut regarder dans le détail, les usagers des canoës, enfin tous les gens qui ont à voir avec l'eau, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient oubliés, les consommateurs qui sont sous-représentés, enfin. Et puis, une autre stratégie également, une manière de concevoir le consensus assez curieuse,
qui consiste à ce que dès lors que une des organisations qui avait dit OK sur cette base de 12,7 millions, on va voir si on peut discuter et trouver quelque chose qui pourrait faire une espèce de projet de territoire admissible par tous, c'est que dès qu'on témoignait quelques critiques, on était exclu des instances de travail. Et c'est comme ça qu'à partir du mois de juin, et ça va se poursuivre jusqu'au mois de décembre 2018, il va y avoir tout un tas de grands messes, de grandes réunions à la préfecture pour dessiner les contours de ce qui deviendra le protocole d'accord pour une agriculture durable sur le bassin de la Sèvre-Niortaise et du Mignon. Voilà, c'est le terme officiel qui est ressorti de ce truc-là et qui, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ressemble à une véritable pantomime de démocratie. C'est complètement dysfonctionnant, c'est des trucs où déjà c'était professionnellement très très mal fichu. On se retrouvait avec des techniciens de la chambre d'agriculture qui devaient animer des ateliers sur la biodiversité sans avoir les compétences techniques de la thématique, mais sans non plus avoir de compétences en termes d'animation de réunion. Et où finalement, on était bien dans cette logique de faire passer la pilule, faire une espèce d'opération de greenwashing, de rendre ce protocole plus beau qu'il n'était en laissant entendre que, justement, l'éco-conditionnalité qui était exigée par l'agence de l'eau allait être mise en œuvre effectivement. Et le 18 décembre, il y a eu une date là aussi très importante dans la lutte, puisque c'est le jour de la signature de ce protocole, où 18 signataires, dont des associations de protection de la nature, comme la Coordination pour la défense du marais, Poitevin, ou la Fédération des pêcheurs, ou encore de Sèvres Nature Environnement, qui sont trois associations qui initialement étaient présentes dans le collectif et qui ont viré leur cutie en même temps que Madame Bateau, que la députée, qui au mois de novembre précédant la signature du protocole avait eu le culot de venir au Waterstock 4 qui était à Niort au départ de la brèche pour venir annoncer à la presse qu'en fait elle trouvait que c'était pas si mal que ça et qu'on était sur une voie exemplaire et puis que pour la première fois en France on allait conditionner l'attribution des volumes d'eau à la mise en place de pratiques vertueuses. Et là, pour le coup, ça peut valoir le coup de prendre un petit peu de temps sur ce protocole, sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ce protocole, il est présenté comme, je vous disais, étant des engagements qui allaient conditionner l'attribution de volume d'eau et de finançabilité du projet. Quand on met le nez dans ce protocole, on s'aperçoit que c'est vraiment c'est de l'esbrouf. C'est très très mal fichu puisque, par exemple, si on était dans une démarche de négociation, si on parle par exemple de réduction des pesticides, faut très rapidement poser la question de quelle réduction, quel objectif, sur quel pas de temps. Donc, par exemple, pour ma part, je participais au groupe de travail sur la biodiversité. Ma première prise de parole, c'est de dire il faut que le groupe biodiversité ait son mot à dire sur les pesticides. Là, la technicienne de la chambre d'agriculture dit non, ça c'est le groupe pratique agricole. Je lui explique qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un CNRS HIZ qui mesure l'érosion de la biodiversité et en particulier conséquente aux modifications des paysages, à l'utilisation de pesticides par l'agriculture, qui est le levier numéro un qui fait l'effondrement de la biodiversité sur notre territoire. Les moins 85% d'insectes, les moins 30% d'oiseaux communs, dont on parle tout le temps à France Inter, etc., c'est sur notre territoire que ça a été mesuré. On a été le territoire expérimental qui a permis d'extraire ce genre de grands enseignements. Et je vais boire un petit coup. Et d'ailleurs, par rapport au CNRS de Chizé, il y a Vincent Bretagnol qui fait partie de l'équipe et qui... et aussi au sein du comité scientifique et technique, au sein même du protocole, et qui a émis des réserves justement par rapport aux IFT notamment. Depuis décembre 2018, les porteurs de projets s'échinent à essayer de faire avancer ce projet et sur le plan technique, mais c'est une machine imbranlable.
et qui fait que là, le Covid en rajoute une couche. Ils ont un mal fou à tenir les échéances. Et puis, mine de rien, quand tu fais des réunions techniques avec des scientifiques et avec des naturalistes pour parler, par exemple, de réduction sur les pesticides, par exemple, il y a un Bretagnol qui dit que y a des chiffres en-delà duquel c'est pas la peine, en-dessous duquel c'est pas une réduction des pesticides, c'est pas à la hauteur des enjeux. Lui, il a par exemple démontré que avec moins 30% de pesticides et moins 30% de nitrates, ça peut se faire demain et ça n'a aucun impact négatif sur les fermes qui le mettent en œuvre. C'est ce qu'il a démontré sur plus de 200 fermes du bassin versant de la Sèvre-Niortaise, puisque notamment, peut-être qu'on produit un poil moins, mais c'est largement récupéré par les économies qu'on va faire par rapport aux intrants, et puis également par l'économie de temps et de gasoil qui va avec. Donc ça, c'est un objectif qui est tout à fait tenable et à très courte échéance. Pour dire le protocole, il n'est pas non plus conforme avec les grands objectifs qui ont été mis en place, définis par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa feuille de route Néotera. Néotera, c'est le résultat de plusieurs années de travail entre deux comités de scientifiques. Un comité de scientifiques basé sur le climat qu'on appelle la Climatera et présidé par Hervé Le Trut. Et puis le groupe Ecobiose. Donc très ciblé sur la biodiversité et présidé par Vincent Bretagnol, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui ont ensemble constitué une feuille de route qui, si la logique veut être appliquée, conditionnera les financements potentiels de la région Nouvelle-Aquitaine pour les années à venir, en fait de veiller à ce que ce soit compatible avec ces enjeux-là. Et dans le cas de Néotera, la feuille de route est assez claire, ça dit objectif plus de pesticides de synthèse à l'horizon 2030. Donc, quand par exemple en réunion de travail, on proposait que, on est tout à fait conscient que les gens peuvent pas forcément arrêter les pesticides du jour au lendemain et qu'il y a certainement des seuils et des caps à franchir. Donc, on disait, collons-nous à l'objectif Néotera et concrètement, c'est moins 50% dans 5 ans si on veut tenir les moins 100% dans 100 ans, dans 10 ans. Et l'autre objectif de Néotera, et auquel le protocole d'accord ne répond pas non plus, c'est que l'objectif serait qu'en 2030, 80% des fermes du territoire soient classées en agriculture biologique et ou en ferme HVE. Et ça, je pense que ça vaut le coup de prendre 2 minutes pour en parler. HVE, ça signifie haute valeur environnementale. Et c'est alors c'est pas une labellisation, c'est une. Le mot me manque, c'est une certification qui a été mise en place par tout le monde de l'agro-industrie pour faire du bio light, en fait, du bio non contraignant, et puis même du bio qui autorise l'utilisation de pesticides CMR, hein, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dans son cahier des charges. Par contre, si vous allez au magasin, hein, en grande surface, vous trouverez des produits HVE et la plupart des gens achètent ça en pensant que c'est du bio. Non, c'est le bio vu par la FNSEA, donc c'est du bio avec des pesticides. Donc c'est pas de la bio. Voilà. Ouais, c'est l'agriculture productiviste qui essaye de s'acheter une image bio, quoi. C'est la mentalité. Du coup, Exactement. ils profitent des bassines, on peut dire en quelque sorte, pour s'acheter une conscience verte qu'ils n'ont pas. C'est ça, Donc ils exactement. créent Et... leur propre label Certification. de certification C'est entre eux, ça. quoi. Ouais, C'est ça. c'est C'est pour ça très qu'on parle mauvais. clairement d'opération d'auto-greenwashing, quoi. Et alors, pour le coup, dans le protocole, parce que, pour expliquer un petit peu ce qui a fait le revirement d'un certain nombre d'associations le 18 novembre et le revirement de bateau, au mois de novembre, au mois de novembre, il y a eu une réunion en novembre 2018 qui a duré 7 h 30 où ils ont lu tout le protocole point par point. C'était la grande négociation. Et où Delphine Bateau a tenu un rôle en disant, mais si, il y aura des punitions si les engagements sont pas tenus. Alors les punitions, c'était grosso modo que on retire 5% des volumes attribués. Autrement dit, peanuts, hein, pour des fermes qui ont 120 à 250 000 mètres cubes attribués chaque année, c'est vraiment pas la contrainte, quoi. Et donc ça avait épaté tout un tas de présidents d'associations qui disaient, oh là là, Delphine Bateau, elle a défendu le bout de gras, elle a dit que si les engagements étaient pas tenus, il y aurait des sanctions. Sauf que ces corneaux-là,
n'avait pas pris conscience que le gros enjeu de la réunion n'était pas les sanctions qui allaient être appliquées, mais les engagements qu'il allait falloir prendre concrètement et les contraintes, en réalité, qui allaient devoir être remplies, puisqu'en réalité, de contraintes, il y en a très peu. Le protocole, il a été fait, en réalité, pour que la plupart des fermes actuellement bénéficiaires de l'irrigation sur le territoire puissent rentrer dedans sans changer profondément leurs pratiques. Pour l'illustrer concrètement, par exemple, si vous êtes une ferme en agriculture biologique, on considère que vous êtes déjà dans les clous et donc il n'y a aucun nouvel engagement à prendre. Le protocole a mis sur un pied d'égalité et comme objectif ultime à atteindre l'agriculture biologique et HVE. Quand on a compris ça, déjà, on a compris une bonne partie de la pantomime et de l'escroquerie que représentait ce protocole. Julien, j'ai une question sur le sujet. Oui. Qui vient du chat et qui demande si justement, suite à la signature de ce protocole, est-ce qu'il y a des sanctions au cas où les volumes d'eau pompée sont supérieurs au maximum autorisé ? Oui, vraisemblablement. Après, ça pose toute la question de qui contrôle ? C'est quoi les outils? Et là, on peut se rendre compte que c'est un des éléments de tension régulier sur les problèmes d'irrigation un peu partout en France. C'est que les résultats, on les a après coup. Donc, évidemment, si on dépasse les volumes, il y a des sanctions. Après, dans quelle mesure les sanctions sont appliquées, ça, on n'en a pas connaissance. Et je pense qu'en général, ça se passe plutôt bien pour les gens qui n'ont pas respecté la règle. C'est assez paradoxal, mais il y a des gros problèmes de transparence dans la politique de l'eau. Parce que du coup, il y a énormément de questions sur ce sujet-là, sur qui va contrôler, par exemple, la quantité d'eau prélevée pour les bassines par rapport aux périodes de prélevage. Enfin, tu as énormément de questions qui tournent autour de ça sur le chat, sur le contrôle, en fait, à partir du moment où... Et effectivement, quand tu donnes de l'argent public pour faire ce genre de... D'énormes piscines olympiques, hein. Je crois que tu disais que c'était 50 fois, c'était à peu près équivalent à 50 piscines olympiques. Quand tu finances ça et que tu n'as pas de contrepartie, que tu n'as pas de contrôle sur l'eau tout simplement, c'est difficilement entendable. Et le fait qu'aujourd'hui encore peu de gens soient au courant du sujet et de la problématique qu'elle porte, c'est que on est en train de privatiser de l'eau sans aucun contrôle. Et en plus, ça ne dérange pas visiblement lors des réunions, par exemple, du protocole. Où il y a eu signature, quoi. Alors, ça là-dessus, ça peut être utile que les gens capent un petit peu comment ça se goupille, ces répartitions de volume d'eau. Certains bassins versants en France, mais pas tous. Mais a priori, c'est plutôt à la base une bonne mesure. Mettre en place ce qu'on appelle des OUGC, c'est des organismes uniques pour la gestion collective. Et donc, sur le Marais Poitevin, c'est un établissement public, et l'établissement public du Marais Poitevin, qui en fait a la mission chaque année de répartir les volumes d'eau en fonction des demandes des différents irrigants, avec très clairement une prime au... La règle, c'est plutôt la reconduite des volumes demandés. Donc, si vous êtes une très grosse ferme à 240 000 m3, on ne va pas vous donner 120 000 m3 l'année d'après, quoi. Il y a beaucoup d'OUGC en France qui sont directement tenus par les chambres d'agriculture. Alors là, je vous laisse entendre quand les chambres d'agriculture sont tenues par la FNSEA ou tenues par la coordination rurale. En fait, on est quasiment dans des logiques d'autocontrôle. C'est très clair que la question de la veille citoyenne, du regard citoyen ou du regard des élus sur ces éléments-là, quels sont les outils pour compter, à quel rythme les comptages sont rendus publics, etc. C'est un travail, c'est un élément de base. Là-dessus, je vais renvoyer vers, puisque tout à l'heure, tu nous as diffusé l'intervention de Loïc Prud'homme. Loïc Prud'homme a fait partie d'une mission parlementaire, a présidé une mission parlementaire sur le thème des conflits d'usage en situation de pénurie d'eau. Et dans ce titre-là, donc il a fait un tour de France des endroits où c'était chaud sur l'eau. Et dans les préconisations qu'on ressortit de ce rapport, la question du comment on compte et comment on contrôle est un des éléments clés qui a été évalué comme un élément
de tension et un élément fort à régler si on voulait que ce genre de projet, enfin, de manière générale, la gestion de l'eau puisse être partagée et qu'on puisse travailler en toute honnêteté les uns avec les autres, quoi. Ça va? Écoute, ouais, très bien. Ça va. Et en attendant, vu qu'on est sur les questions du chat, moi je vais dérouler un peu. Ouais. Je regarde ce que j'ai noté, ce qu'il faudrait poser. Par exemple, il y avait Louis qui demandait au tout début du live à combien de céréaliers ces bassines profitaient, en gros. Voilà. À combien d'agriculteurs céréaliers voilà. Voilà. Les bassines, elles seraient connectées à ces bassines autour de 200, 220 selon les sources qu'on a, exploitation. Avec une moitié, on est grosso modo sur moitié gros céréaliers exclusifs et l'autre moitié ben des polyculteurs éleveurs, mais alors qu'on s'entende tout de suite, hein, c'est sur le système stabulation, c'est-à-dire des vaches à lait que vous voyez pas dans les prairies au fin fond des marais, hein. C'est des vaches qui sont dans un univers carcéral, dans des stabulations alimentées avec de l'apport de nourriture, dont une bonne partie de l'apport de nourriture, c'est du maïs en silage. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, sur la question du contrôle, un des éléments qui fait que chaque année, ça fraude, et ça fraude fort, c'est que en fonction du type de maïs, eh bien, vous allez avoir le droit à des dérogations ou pas. C'est pas idiot de dire que le maïs en silage qui va nourrir des bêtes puisse bénéficier de dérogations. En tout cas, c'est cette règle-là. Aujourd'hui, si vous faites du maïs qui est pour nourrir vos bêtes, vous avez le droit d'arroser, même quand les arrêtés d'interdiction ont été posés. Et par contre, si c'est du maïs grain ou du maïs pour l'exportation, ben vous êtes tenté ne plus arroser. Puisqu'on parle des dérogations, faut savoir, c'est assez rigolo, que le tabac, culture à haute valeur ajoutée sur lequel l'État se fait un pognon monstre, fait partie également des cultures qui bénéficient de dérogations, même quand les arrêtés d'arrêt total de l'irrigation sont mis en place par les préfectures. Et d'ailleurs, tu pourrais aussi parler des seuils d'alerte parce que ça pose aussi un problème sur les niveaux de seuils d'alerte qui sont posés pour justement définir à quel moment on dit stop à l'irrigation. C'est aussi un des problèmes qu'il faut discuter, quoi. Là-dessus, plus précisément, j'inviterai les gens qui regardent à aller de manière générale voir tout le boulot qui est fait, notamment par l'équipe de la Boisselière, sur les BNM TV. Toutes les semaines, on alimente la chronique par l'envoi d'un documentaire, d'un témoignage, etc. Et de mémoire, je ne sais plus si c'est le numéro 3 ou numéro 4 qui parle de cette thématique précise, de quand les arrêtés sont pris, par rapport à quel niveau dans les nappes. Le constat global qu'on peut faire, c'est que les niveaux d'alerte ne correspondent pas aux alertes du milieu. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille à la greffe sur Mignon, ben, quand on en arrive au premier stade qui va être, de réduire de 20% les prélèvements hebdomadaires, ben, ça fait déjà bien longtemps que le niveau des fossés, enfin, que les fossés du marais sont déjà à sec. Et il faut être à moins 60 centimètres quasiment par rapport au niveau de référence, au niveau à maintenir si on voulait maintenir le milieu en bon état pour qu'il y ait un arrêté total d'irrigation. Donc en fait, ces arrêtés ne sont pas, ces seuils d'alerte ne sont pas en adéquation du tout avec la réalité du terrain, avec la réalité du milieu et de l'impact sur les rivières et sur les marais qui sont en contrebas. Notamment la toile qui est aussi, elle a un arrêté de protection de biotope et qui n'est pas du tout respecté parce que du coup, ils peuvent toujours prélever alors que la tourbière est complètement asséchée, quoi. Complètement. Et là, pour le coup, c'est sur, tout à l'heure dans les solutions, on parlera des solutions basées sur la nature. Mais justement, la tourbière, c'est une éponge. Et quand on lui laisse remplir cette fonction d'éponge, bah ça peut emmagasiner une quantité d'eau assez phénoménale, qui ensuite bah, est restituée sur tout l'environnement aux alentours. Et en plus, ces tourbières, elles présentent l'intérêt d'être des outils d'auto-épuration de l'eau, des espèces de stations d'épuration gratuites qui font qu'entre l'eau qui va arriver dedans, puisqu'il va ruisseler dans le ruisseau
eh ben, il y aura déjà une bonne partie des polluants, en particulier des polluants azotés qui ont été digérés. C'est pas pour ça que je dis qu'il faut envoyer plein d'azote dans les tourbières, hein, mais elles ont ces capacités, elles contribuent à l'auto-épuration des eaux, qui est une fonction vitale, et qu'il faut que les rivières, avec les systèmes d'algues, etc., puissent remplir, si on veut qu'aux estuaires, on ait des qualités d'eau qui soient compatibles avec l'activité de mytiliculture, d'ostréiculture dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et donc, c'est vrai que cet arrêté sur la tourbière, il est très paradoxal, parce que d'un côté, on n'a pas le droit d'aller se balader sur la tourbière. Elle est protégée, c'est de la réserve naturelle plus, hein. Mais à côté de ça, à 30-50 mètres de là, on voit les pompes arroser en plein jour, vider très clairement la nappe phréatique qui serait censée alimenter et finalement vidanger cette tourbière. Donc finalement, ben cet arrêté préfectoral de biotope tel qu'il est aujourd'hui, tant qu'il ne sera pas conditionné à des seuils d'alerte en rapport direct avec le. Parce qu'en fait, une tourbière. Mais quand elle est plus alimentée en eau, quand elle baigne plus dans l'eau, bah elle n'est plus une tourbière. Cette tourbière, elle est digérée, cette tourbière, elle va se minéraliser. Et parce que le principe de la tourbe, finalement, c'est que c'est de la matière végétale et lacustre qui s'accumule et qui n'est pas digérée par les micro-organismes du sol parce qu'elle est toujours saturée en eau. Mais à partir du moment où le milieu n'est plus saturé en eau, eh bien, les tourbières s'affaissent. Et tu avais pu le voir, hein, quand Jean-Jacques Guillet, l'ancien maire d'Amuré, nous avait emmenés sur les tourbières de. Ben on voit clairement que le sol s'est affaissé à certains endroits jusqu'à 30-40 cm. Et l'exemple le plus criant que j'ai, c'est sur la vallée du Mignon, où à l'écluse de Sazay, ben, le niveau du sol actuel est 70 cm en dessous du seuil pour accéder à l'escalier qui mène à la maison éclusière. Ça veut dire que depuis la fabrication au 19e siècle de cette maison éclusière, les sols se sont affaissés de 70 cm. Est-ce que pour clore l'historique, je fais un petit topo sur où on en est aujourd'hui, les points de blocage et ce genre de choses. Et puis peut-être ça en 5 minutes, de manière à pouvoir faire une petite pause et puis passer au second volet. C'est pour ça. C'est pour ça, en effet. Aujourd'hui, il faut être très clair, les bassines ne sont pas sorties de terre, même si l'échéance se précise, puisque les porteurs de projet nous ont annoncé qu'ils espéraient pouvoir mettre les premiers coups de pelle, de pioche et de bulldozer surtout au printemps 2021. Il y a un truc, un élément tout récent qui nous fait craindre ce scénario-là, c'est le fait que l'agence de l'eau Loire-Bretagne, donc qui est basé, dont le siège est basé à Orléans, mais qui traite un large territoire qui va du Massif central, qui prend la Bretagne, et puis voilà, donc a voté le financement de la première tranche. Financement global de l'Agence de l'eau, c'est 29,2 millions, et là ils ont déjà débloqué 9 millions 2 pour permettre le lancement de la construction des 6 premières bassines. Donc ça, c'est très très inquiétant parce que ça veut dire que le dernier levier financier avant que les travaux commencent, bah, finalement, c'est la région. Je dis ça parce que la région non seulement pourrait débloquer des enveloppes régionales, mais c'est également elle qui ventile, qui distribue les financements européens, les fameux fonds FEADER. Donc ça, c'est un des éléments très concrets qui a bloqué depuis 2 ans et demi, c'est que Rousset fait un pas en avant, un pas en arrière, mais qu'aujourd'hui, il a toujours pas fait prendre les délibérations pour débloquer ce pognon-là, et qu'il est très très pris aujourd'hui, hein, de toutes parts, notamment par ses alliés ELV, qui lui ont fait la promesse que si. Julien, je Ah, t'entends plus. je crois que nous avons perdu Julien. Bon. Je pense qu'on va faire une petite pause maintenant, plutôt que prévu, et puis on va se retrouver tout de suite après. Quand on aura retrouvé Julien, on va vous laisser avec un épisode de BNM. On va faire la pause plus tôt et Un puis extrait. un extrait. On Julien va faire. verra en fonction. À tout de suite.
Moi, en tant que maraîchère, j'irrigue toute l'année. Voilà, on voit très bien les tuyaux qui sont là. Sous une serre, on est obligé d'irriguer toute l'année. Et puis en plein champ, on irrigue forcément à la saison où il fait plus chaud. Donc c'est pas une approche contre l'irrigation, c'est pas du tout le cas. Par contre, voilà, ce qu'il y a derrière les bassines, c'est de l'irrigation, mais c'est pas du tout la même. Et c'est là où en fait vraiment la Confédération paysanne que je représente se positionne contre les bassines. En fait, les bassines, c'est un projet énorme qui ne correspond pas à la demande aujourd'hui citoyenne en termes d'alimentation. Derrière, on a un système qui ne va pas nourrir son territoire, en fait. C'est un système agricole qui va donc demander énormément d'eau, énormément d'énergie fossile, parce que voilà, forcément, quand on a des très grandes surfaces, on a besoin de gros matériel, donc beaucoup d'énergie, et puis beaucoup de pesticides aussi. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. On peut pas continuer à développer des systèmes qui sont aussi énergivores, aussi polluants. On ne peut pas continuer à dire que c'est un projet de territoire. On ne peut pas continuer à dire que ça va, que c'est un projet pour la souveraineté alimentaire. Voilà. Nous, en fait, à la Confédération paysanne, on est obligés, en tant que défenseurs d'une alimentation de qualité et d'une agriculture paysanne qui fait vivre ses travailleurs, qui fait vivre ses campagnes et qui, dans l'idée, ne détruit pas la planète, donc décider de s'opposer clairement contre les bassines. C'est énormément d'argent pour une petite zone, pour une poignée d'agriculteurs. Et pour le reste du département, on fait quoi en fait? Il y a toujours cette question-là de ok, alors on a recensé que les agriculteurs du sud du département avaient des problèmes de besoin en eau. Donc on a trouvé une solution. Mais par contre, voilà, ça reste très, très centré. Et puis du coup, on ne règle pas le problème de la gestion de l'eau à l'échelle départementale. En gros, là-bas, on a toujours prélevé beaucoup d'eau. Il y a même une période où la politique agricole commune subventionnait les cultures irriguées. Donc forcément, ces gens-là, les mêmes personnes, qui sont donc dans un modèle très intensif de culture céréalière, monoculture, elles ont déjà eu beaucoup de subventions il y a des années pour s'équiper en matériel d'irrigation. Donc elles ont utilisé beaucoup d'eau. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire comme ça, mais on va encore donner des subventions à ces mêmes personnes pour faire un projet donc de réserve de substitution. On ne peut pas défendre ça, on ne peut pas défendre une partie des agriculteurs et pas les autres en fait. Et moi, ma solution, c'est pas qu'on fasse des bassines partout, parce qu'on pourrait me répondre ça, mais c'est plutôt une meilleure gestion de l'eau, quoi. Ce qu'on demande avec la Confédération paysanne, c'est qu'on partage en plus avec des priorités et des priorités d'usage. Alors là, je parle que d'usage agricole, hein. Bien sûr, sinon l'eau potable, c'est la première priorité. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'usage de l'eau soit priorisé pour les cultures à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire des cultures qui vont produire beaucoup sur une petite surface, qui vont faire de l'emploi. Donc c'est exactement l'exemple du maraîchage. Donc le maraîchage, l'arboriculture, les semences, et puis bien sûr l'élevage. Alors mais l'élevage sur le territoire, on est d'accord que si c'est pour faire du maïs grain qui va être exporté soit en Europe ou même beaucoup plus loin. C'est pas l'idée. Là, c'est de pérenniser en fait des cultures pour l'autonomie d'une ferme. Et avant tout, donc, de penser au territoire. Parce que c'est ça, quand on parle de forte valeur ajoutée, c'est aussi de l'emploi sur le territoire. Ici, on est sur une ferme de 2 hectares et on est 4 à travailler. Comment on voit nos campagnes, quoi? Est-ce qu'on veut des déserts avec des grosses fermes qui font vivre une personne? Ou est-ce qu'on veut des campagnes où il y a plein de petites fermes avec, ben voilà, moi j'ai 31 ans, j'ai un enfant, donc forcément mon enfant il va à l'école, je fais vivre une école, je fais vivre un village en fait. Et tout ça c'est souvent quand on pense aux bassines, on pense pas à tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, nous en tout cas on a vraiment ce besoin de montrer que l'agriculture qui est défendue par le système bassine, par le projet bassine. C'est pas l'agriculture qu'il nous faut et c'est pas l'agriculture que les citoyens et les citoyennes ont besoin.
C'est bon, on est de retour. On est de retour, on a retrouvé tout le monde, à peu près la caméra de tout le monde, sauf de Mélissa qui est figée. Désolée, hein. Ça, c'est les outils qu'on nous donne, hein. Ça marche pas comme on le souhaite, sinon ce serait super et il fallait forcément qu'il y ait un petit accrochage. Donc bah, Julien, ça t'avait coupé, je sais même plus où parce qu'on a été pris par ce qui s'est passé, mais du coup, je te redonne la parole. Je refaisais point sur où on en était aujourd'hui dans la lutte et ce qui aujourd'hui à la fois nous inquiétait et à la fois on a aussi des signaux plus rassurants, en tout cas que on espère toujours gagner cette lutte. De toute façon, on ne peut pas la perdre. Donc, et c'est ce qu'on explique bien aux décideurs, c'est que ces bassines, elles ne se construiront pas. Depuis le début, on agit dans les voies de la légalité, on fait des manifs, on participe à toutes les réunions publiques, etc. On a aussi dit, lors de la manifestation du 11 octobre, qui a été un élément déterminant, un virage, et qu'on avait présenté comme l'ultime bataille, cette grosse manif où on s'est retrouvé à 4000 à Épane, un tout petit bled du Marais Poitevin, et on a eu la chance de recevoir le soutien de Pointure Nationale. On avait activé en fait les réseaux, hein, et on avait demandé à tous les membres et les organisations de BNM d'aller chercher leur tête d'affiche, d'aller chercher leur leader et leur comment on voit, les têtes d'affiche, quoi. Et ben, ça a répondu présent, puisque un truc incroyable, on a réussi à faire venir, on ne le remerciera jamais assez, Jean-Luc Mélenchon qui est venu avec tout le staff, y a Yannick Jadot qui a débarqué, Philippe Poutou était de la partie, et puis José Bové également était là, et puis plein d'autres, mais voilà pour les principales têtes d'affiche. Et José l'a bien dit, un jour, quand le droit est bafoué, quand le bien commun est bafoué, eh ben, on a le droit, on a même le devoir en tant que citoyen de faire preuve et acte de désobéissance civile. Et donc ça, on l'a dit, on le tiendra, on l'a déjà tenu puisqu'on a déjà organisé une première ZAD à Mosée pendant 2 mois. Quand on nous annonçait des travaux pour octobre 2019, on était déjà près de 200 personnes à se relayer pour tenir la place et montrer bien au pouvoir public qu'elles passeront pas, qu'elles rencontreront simplement une opposition physique à la mise en place de cette aberration. Et donc, depuis le 11 octobre, il y a certains signaux, vous l'avez certainement vu, Delphine Bateau a dû virer sa cutie, puisque très clairement, sa position, elle est pas tenable. On peut pas d'un côté se battre contre les non-néonicotinoïdes et de l'autre côté soutenir comme exemplaire un protocole qui autoriserait l'autorisation de produits CMR comme but ultime à atteindre. Et puis en plus, faut être très clair aussi, le fait d'être pro-bassine lui grillait toute alliance possible à gauche. Si Delphine Bateau est encore une femme de gauche, c'est clair qu'elle n'aurait pas trouvé beaucoup d'alliés pour jouer avec elle en ayant une telle position aussi incohérente. Et donc c'est ce qui fait que le 3 novembre, le même jour où l'agence de l'eau prenait sa décision pour débloquer les 9 millions d'euros, Delphine Bateau écrivait une lettre au préfet pour dire que le protocole, finalement, ça marchait pas et que les objectifs étaient pas tenus et que ça patatinait et puis et tutti quanti, quoi. Alors quand on sait que Roussel, président de la région Nouvelle-Aquitaine, son premier argument quand on lui demande si c'est vraiment un projet écolo, sa première réponse c'est de dire Delphine Bateau est pour, Delphine Bateau génération écologie, rendez-vous bien compte. Pour lui, c'était suffisant. Il n'avait même plus besoin de mettre le nez dans le dossier. C'était un gage suffisant. Il y a le blocage des sous à l'Europe et il y a le blocage au niveau de la région. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une grosse épine dans le pied de Rousset, ce dossier de bassine. Et aujourd'hui, les signaux vont plutôt dans le sens que il est en train de compter ses bouses. Il désespère pas de pouvoir faire alliance avec les Verts sur un deuxième mandat. Il semblerait que au niveau régional, mais il faut rester très vigilant, le dossier soit en stand-by et que les sous soient pas débloqués. Et finalement, ça repousse l'échéance, parce que c'est aussi utile à dire, si l'agence de l'eau débloque 9 millions d'euros, il débloque pas la tirelire tant que les autres cofinanceurs ont pas garanti leur participation. Donc ça aussi, c'est un sacré garde-fou. Il est également utile de préciser que des 12 associations qui à l'origine avaient porté plainte contre l'arrêté pour les 19 bassines, 10 maintiennent leur recours
on a appris tout à l'heure que le groupe Ornito allait lui aussi maintenir son recours, rester dans le collectif interassociatif. Donc l'arrêté des 16 bassines va aussi être attaqué. On était en réunion cet après-midi aussi, la décision de l'agence de l'eau de débloquer 9 millions d'euros pour aller à l'encontre de ses objectifs va aussi être attaquée sous multiples formes. Évidemment, on lâche rien. Évidemment, l'un des freins principaux et qui fait que les bassines sont repoussées de 6 mois, c'est aussi tout le volet mobilisation citoyenne, surtout dans ce contexte préélectoral, c'est un élément majeur. Et s'il faut reconduire de nouvelles actions d'ampleur comme celle d'EPAN, on le fera. Et on espère que France Insoumise continuera d'assurer aussi fort qu'ils ont assuré jusqu'alors. Quoi. Mais je n'ai pas trop de doutes à ce sujet-là. Voilà un petit peu sur où on en est dans la lutte. Et ce qui nous fait aujourd'hui avoir bon espoir qu'on arrive à freiner ce projet. Et surtout, j'insiste là-dessus parce que je n'ai peut-être pas assez dit, les bassines de Deux-Sèvres, c'est le dernier verrou avant une multiplication de ce type d'ouvrage à l'échelle de l'ensemble du territoire national. C'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Notre motivation n'est pas simplement de sauvegarder, même si on aime fort nos rivières et le marais Poitevin qui est en contrebas. C'est aussi une lutte à échelon européen, puisque de Normandie et les anciens ministres de l'Environnement ou de l'Agriculture l'ont bien dit, on est la zone test. Si ça passe chez nous, ça passera partout. Et d'où l'intérêt de se mobiliser fort sur ce dossier-là en particulier, mais comme révélateur d'une politique de la gestion de l'eau qui, quand elle est tenue par les lobbies agro-industriels et les complicités du gouvernement et de Normandie, et de toute façon, faut pas se leurrer, hein, ça fait 50 ans que le ministre de l'Agriculture, que ce soit avec le PS ou avec le RPR et tout ce qui s'ensuit, que le ministre de l'Agriculture est finalement désigné par la FNSEA. Ben c'est cette co-gestion-là dont il faut sortir. Et moi, je ne vais pas parler des alliances à la région, etc. Mais si une alliance à gauche doit se faire, très clairement, il faudra en exclure tous ceux qui, aujourd'hui, ont été complices de cette co-gestion, de cette collaboration avec la FNSEA, dont il faut dire qu'aujourd'hui, elle est le syndicat du pire. Elle est le syndicat qui pèse de tout son poids pour que rien ne change au niveau des politiques agricoles et que ce soit également au niveau de la politique agricole commune. Il faut être très très clair, on est en train de refaire la PAC actuellement. Cette PAC ne sera pas la PAC verte qu'on attend tous de nos voeux. Cette PAC ne sera pas à la hauteur des enjeux climatiques et des urgences climatiques et également du contexte Covid. Hein. On voit bien sur un contexte comme ça où les voies de communication, les transports internationaux sont remis en cause. L'impérieuse nécessité que nos territoires soient en mesure de nous nourrir tout simplement et de remettre l'agriculture à sa juste place, qui est avant tout, et qui devrait être avant tout, de nourrir les humains avant de nourrir les multinationales et les actionnaires. Et là-dessus, Julien, peut-être qu'on peut parler justement des solutions. On parle d'irrigation et on dit que le collectif, on dit toujours que le collectif n'est pas contre l'irrigation, mais c'est en gros pour quelle agriculture ? On voyait tout à l'heure dans la petite vidéo le témoignage de Amandine Papon, qui fait partie de la Confédération paysanne et qui est installée en tant que maraîchère en agriculture biologique, qui elle, en gros, voilà, nourrit son village et au-delà avec, en gros, sur 2 hectares de terre et avec en utilisant de l'eau à hauteur de 2500 mètres cubes par an. Et pour 4 emplois. Voilà. Et pour 4 emplois et avec justement un travail qu'ils font notamment sur le sol, en travail de sol vivant, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont toute une réflexion pour justement comment on optimise l'usage de l'eau, comment on optimise justement tout de bout à bout pour consommer déjà le moins d'eau possible, pour cultiver des choses saines et nourrir les gens, quoi. Ouais. Là-dessus, sur les solutions, je proposerais bien 2 grands axes. Dont est porteur Bassine Non Merci depuis longtemps. Un axe qui est vraiment autour de cette question de la relocalisation des productions et en fait de la mise en place d'un véritable projet de territoire. Donc par projet de territoire, à BNM, on entend le fait que des réunions à l'échelle de chaque village, à l'échelle de chaque canton,
pour que exploitants, décideurs, citoyens, consommateurs, etc., se retrouvent pour définir ensemble le projet de société et le paysage qu'on a envie de voir demain et l'agriculture qu'on a envie de voir demain. Donc, c'est avant tout un outil d'animation et d'éducation populaire qu'on aimerait construire ou participer à sa construction. Une fois que cette lutte sur les bassines sera gagnée et qu'on pourra passer notre temps à autre chose que d'être contre, parce que là l'urgence c'est d'empêcher cette aberration et qu'on pourra mettre toute cette énergie sur la construction des solutions impérieuses à mettre en œuvre au plus vite, si on veut avoir un monde vivable et simplement viable dans les 10 ans qui viennent, hein, parce que là les effets du réchauffement climatique s'accélèrent et on voit l'urgence à agir. Et comme le dit souvent Benoît, faire en sorte que l'agriculture devienne la solution, là où aujourd'hui elle est une des causes principales des problématiques. Parce qu'en effet, avec une agriculture qui réhabilite les sols, qui remet de la matière organique dans les sols, eh ben, on a concrètement un moyen de stocker du carbone, hein, très clairement. Donc voilà, sous deux axes, cet axe projet de territoire. On parle à BNM de projets de territoire pour l'alimentation, pour le paysage et pour la qualité de l'eau, ou pour nos rivières, on trouvera la bonne appellation. Parce qu'aujourd'hui, des projets de territoire, il y en a plein, dans plein de domaines, et tout est déconnecté. Par exemple, on a appris il y a peu de temps que la CAN, avec la communauté de communes au Val de Sèvre, avait lancé, c'est super pertinent, hein, juste avant les élections, une démarche programme alimentaire territorial. Ben quand on regarde aujourd'hui comment ce truc-là est, se goupille, c'est les mêmes travers, les mêmes défauts, la même absence de participation citoyenne, d'information du public, c'est déficient en termes d'outils, simplement d'information. Alors pour ce qui est de la participation des citoyens, on en est très très loin. À ce sujet-là, un élément important, il y a une étude qui est sortie du collectif Utopie en 2017. Qui dit très bien les choses, le bassin de vie du Niortais s'auto-alimente ou en tout cas consomme ses produits issus du même territoire à hauteur de 1,8%. Ça veut dire que 1,8% de ce qu'on met dans notre assiette a été produit à l'échelle de la CAN. Là où un autre travail de chercheurs et d'agronomes notamment a été mené et a estimé que la capacité d'auto-alimentation du même bassin de vie de la CAN était de 90%. On pourrait manger à 90%. Il y a le sol, il y a les terres pour se nourrir à 90% et sans même changer nos régimes alimentaires, sans être sur une question de diminution de nos parts de viande. Les 10% restants, en fait, correspondraient aux produits exotiques, hein, aux produits que notre territoire ne peut pas fournir parce qu'il ne fait pas assez chaud, parce qu'il n'y a pas le bon sol, etc. Donc c'est quand même un constat très clair. Et quand on se dit que, par exemple, le programme alimentaire territorial de la CAN ne cite pas ce genre de choses et ne fixe finalement pas d'objectifs, moi j'ai envie de dire au niveau de BNM, si on avait un jour les manettes et si on pouvait influencer, parce que là, on n'a pas vocation à avoir les manettes, influencer que les élus du territoire s'engagent avec les citoyens et les exploitants du coin à dire, allez, on fait ce pari fou de dire que dans 10 ans, 50% de la nourriture, c'est pas un pari fou du tout, c'est juste une autre structuration, une autre orientation des financements publics et des subventions. En fait, il s'agirait de soutenir les exploitations qui s'engagent dans un tel projet de territoire. 50% n'est pas très ambitieux et 90% c'est le potentiel. C'est le potentiel aujourd'hui. Ce ne sera pas le potentiel dans 10 ans si on n'a rien fait pour résoudre le deuxième axe que je voulais développer. J'intitulerai de manière globale ralentir le cycle de l'eau, faire en sorte que l'eau reste sur les terres continentales et ne parte pas à la mer du fait de toutes les politiques de dévastation des paysages qu'on a pu constater depuis 50 ans sur nos territoires. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il pleut, il y a une part de plus en plus importante du ruissellement et de moins en moins importante de l'infiltration et donc des recharges des nappes phréatiques, ben c'est plusieurs facteurs qui, mis bout à bout, font une situation catastrophique. C'est toute la destruction des haies et les remembrements des années 50, 60, 70 qui font que ben, l'eau n'est plus stoppée par la haie, ne s'infiltre pas par le système racinaire, mais va passer dans un fossé de plus en plus, un fossé entichard de plus en plus profond. On va faire des drains, on va faire en sorte que l'eau parte le plus vite possible au point le plus bas. Et puis la gestion du marais poitevin en tant que tel en contrebas,
où dès qu'il y a le moindre risque que oh là là, il faudrait que l'eau puisse aller un petit peu sur les terres, ce qui pourtant est la condition sine qua non de la biodiversité sur ce territoire, ben on ouvre grand toutes les pelles et on évacue toute la flotte à la mer. Et puis, non content de ça, ben, puisqu'en plus c'est des très bonnes terres, ben, au lieu de faire de la prairie, on va tout labourer, tout drainer et faire en sorte que toute la flotte qui tombe ben, aille très très vite vers l'évacuation, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a un courant, et notamment ça a fait l'objet d'une proposition de loi qui a été formulée il y a 2 mois, dans laquelle on va trouver des représentants de 6 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, qui est une loi autour de, comment dire, de la promotion des solutions basées sur la nature pour répondre aux problématiques de gestion de l'eau et aussi en regard d'un contexte de réchauffement climatique. Donc, si je le dis autrement, les solutions naturelles, ben, c'est par exemple de dire, comme on en parlait tout à l'heure au niveau des tourbières, les tourbières sont des éponges, elles sont en mesure de capter et de conserver l'eau sur un territoire et puis ben, de réguler finalement ces éléments, eh bien, on redonne aux marais leur fonction de stockage d'eau. Je vais pas vous faire un grand cours d'histoire géo sur le marais Poitevin, mais faut savoir que le marais Poitevin, c'est 100 000 hectares avec un sous-sol qui est argileux, mais que sur toute la partie Venise verte, toute la partie où on fait du tourisme, où il y a des arbres, des frênes têtards, etc., qui représentent un tiers du marais, qui représente 30 000 hectares, cette partie-là, on l'appelle le marais mouillé parce que c'est une partie qui est protégée, qui est séparée de l'autre partie qu'on met en culture, les marais desséchés par des digues. Ben là, il suffit de fermer les barrages et on peut avoir le niveau d'eau qu'on veut dans le marais mouillé. Et à la base, ce marais mouillé a été pensé à la fois comme un dispositif pour protéger les marais desséchés des inondations, mais également comme stock d'eau constitué au printemps pour pouvoir redonner de l'eau au même marais desséché en été. On a fait un calcul tout bête, hein, et certainement trop simple pour qu'un préfet le comprenne, ou une préfète. Le marais mouillé fait 30 000 hectares. Si on rehaussait de 10 cm les niveaux d'eau dans le marais Poitevin, on pourrait, de cette manière très naturelle, ça coûte 0 euro, hein, c'est juste de pas appuyer sur le bouton des barrages pour évacuer à la mer, on pourrait stocker 30 millions de mètres cubes, soit plus que l'ensemble des bassines aujourd'hui en place ou programmées sur le bassin versant du marais Poitevin. Ça paraît l'évidence. Voilà, dans les solutions, il y a tout ce qui est de nature à conserver l'eau sur le territoire. Donc, on a parlé des haies tout à l'heure, on parle là de la place des zones humides et des places que les zones humides peuvent remplir, la question de l'humus dans les sols, l'agroforesterie, parce que un arbre dans une parcelle nue, ben, c'est un système racinaire où l'eau va pouvoir pénétrer et venir remplir efficacement la nappe phréatique. Donc, c'est tout ce type de dispositif dont on rêve que dans les 10 ans qui viennent, la finance publique et les efforts conjugués d'un conseil départemental avisé, d'un conseil régional avisé et de l'Europe, etc., ben en fait, finalement, décident de soutenir ce type de dispositif et surtout arrête de soutenir financièrement une agriculture qui a vocation à l'exportation. Et qui se vante d'être la pointe du capitalisme et de la rentabilité, etc., et dont on s'aperçoit qu'en réalité, quand on enlève la finance publique, les subventions, la PAC, etc., ben, ces systèmes meurent du jour au lendemain. Donc, voilà les deux grands axes qu'on se proposera de travailler et qu'on interroge, qu'on formule dès maintenant, hein, mais voilà, c'est en tout cas, si les porteurs de projets et les préfets, etc., imaginent que on n'est pas plein de riches idées et de solutions pour un monde meilleur et pour un, ben ils se trompent et on va leur démontrer très rapidement. Et ben, j'espère que justement toutes ces pistes ben, sont de nature à alimenter ben les programmes qui sont en train de se constituer. En tout cas, à BNM, on met le paquet depuis 4 ans maintenant pour que ces questions d'eau soient au centre des élections qui viennent, des élections locales qui viennent, et également pour que ce problème très local, en tout cas ce dossier des bassines qui s'applique chez nous, soit bien identifié au niveau national comme un des grands dysfonctionnements des politiques gouvernementales notamment, et sur l'eau en particulier. Je parlais tout à l'heure de l'agence de l'eau, ça nous met très très en colère. L'agence de l'eau, faut le redire, elle est financée essentiellement
par nos factures d'eau. Le principal financeur de ces agences de l'eau, et c'est des millions d'euros, je crois que pour la période 2007-2013, j'avais vu les chiffres, c'est 2,7 milliards qui sont distribués avec à l'échelle de Loire-Bretagne. Avec 2,7 milliards, on a une latitude à modifier les pratiques agricoles très puissantes. Et ça, je veux bien le dire aussi ici, que ce soit entendu et formulé, si on venait à apprendre demain que la bataille sur les bassines est gagnée, BNM mettra toutes ses forces en œuvre et espère qu'elle sera suivie là-dessus pour que les 40 millions d'euros que les différentes collectivités étaient prêtes à mettre sur ce territoire restent sur ce territoire, mais dans des optiques c'est-à-dire un changement du modèle agricole. C'est une manne énorme. Et ça, pour l'illustrer autrement, aujourd'hui, si on répartit les subventions sur les 200 fermes, les 40 millions, ça fait 200 000 euros par ferme pour 10% des exploitants. Et il n'y a pas l'équivalent pour les exploitants non irrigants, alors qu'ils nous démontrent au jour le jour qu'on peut vivre et exploiter ce territoire sans irrigation. Exactement. Et tout le travail de justement refaire une agriculture de proximité qui nourrit les gens sur le territoire, etc. Quand on voit que au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a seulement 2% de l'agriculture qui sert à nourrir les gens, il y a un potentiel énorme et je pense que c'est là-dessus qu'il faut développer les choses. C'est voilà comment on nourrit, comment on peut proposer de l'agriculture biologique dans les cantines, etc. etc. Enfin voilà, des plein de petites fermes de maraîchage, une vraie agriculture de proximité, quoi, avec tous les circuits qui vont avec. C'est ça. À ce niveau-là, je voulais peut-être citer un exemple, quelque chose qui a été tenté sur les Deux-Sèvres il y a de ça une dizaine d'années. Il y avait toute une démarche, c'était ce qu'on appelait le réseau Résalis. Le conseil départemental de l'époque, il se trouve qu'avec Monsieur Gauthier, on avait un PS de gauche, on avait quelqu'un qui avait des valeurs assez solides, notamment sur ces questions d'environnement. Il est allé chercher un mec assez génial qui s'appelle Monsieur Bailly et qui a pendant plusieurs années animé tout un réseau avec tout un tas de réunions. C'était de l'éducation populaire. On se retrouvait dans des grandes salles avec des décideurs, des maraîchers, des producteurs, des gens qui bossent dans les cantines, des nutritionnistes, etc., pour justement, concrètement, faire en sorte que notamment la commande publique, les cantines scolaires, etc., puissent être alimentées en produits locaux. Et si on en est à parler de grandes orientations, et ce que j'imagine, enfin ce qui pour moi serait souhaitable, c'est que justement les subventions agricoles à l'avenir soient en effet éco-conditionné, c'est-à-dire qu'on donne la subvention publique s'il y a des engagements à faire évoluer les pratiques vers une disparition des pesticides, notamment, mais également qu'on puisse introduire le facteur éloignement, le facteur produire local pour consommer local. C'est les grands principes. Après, je sais qu'il y a tout un tas de facteurs limitants vis-à-vis de la concurrence, de la difficulté à rédiger des appels d'offres et compagnie. Alors, Monsieur Bailly, c'est là-dessus qu'il bossait. C'était comment on rédige des cahiers des charges quand on est gestionnaire d'une petite commune. Parce que concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas mettre dans un cahier des charges. Il faudra que ça vienne de moins de 10 km. Quoi. Il faut que ce soit... Mais ça, à la limite, c'est... Fixons les grands principes et puis faisons évoluer le droit pour que justement ces évidences soient possibles. Il faut aussi peut-être mettre et le dire, peut-être aussi nommer des fois les choses quand elles se font mal. Et je tiens à le dire, le réseau Résalis aujourd'hui, il n'existe plus à cause de la majorité départementale qui est en place. Donc la droite ça, c'est foutu en l'air ce réseau-là qui aurait pu être et aurait dû être bien utile pour le consommer local et aller vers du consommé bio, quoi. Donc bien aujourd'hui, il y a tout un réseau à réinventer en partant de zéro. Et il y a déjà eu des propositions qui ont été faites, en tout cas, sur De Sèvres en commun, sur le site, sur cette
on va dire, compétences-là du département au niveau des cantines scolaires et des Absolument. Réseaux de consommation locale. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, doit être urgemment à remettre en place, quoi, le plus vite possible, parce que ça coïncide parfaitement avec la question de la gestion de l'eau et d'un nouveau modèle agricole, quoi. Donc c'est vrai que toutes ces propositions, elles agissent comme un fil rouge sur la question environnementale, qui de toute façon doit être normalement dès aujourd'hui au centre des politiques locales et nationales, et on voit que c'est pas le cas. Ce qui Tiens, puisqu'on en est à parler des idées, des solutions, il y en a une qui me tient vraiment à cœur, qui est incontournable parce qu'elle est surtout d'une, c'est la plus grande efficacité, c'est la plus grande efficience pour protéger l'eau potable. Aujourd'hui, pour protéger les captages d'eau potable, il y a des programmes qui sont mis en place, qu'on appelle les programmes ressources, qui vont dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire d'accompagner les exploitants du territoire autour du captage pour qu'ils aillent vers des pratiques vertueuses. Il y a une solution encore plus efficace qui est l'acquisition foncière, c'est-à-dire que les départements ont cette latitude d'acheter le foncier, les terres agricoles sur ces captages et d'imposer les cahiers des charges à la bio, mais le plus efficace, ça reste de laisser pousser la forêt. Voilà. Et ça coûte rien. Et c'est même un impératif. Il y a un impératif à planter des arbres de manière massive dans les 10 ans qui viennent, de bien réfléchir aux essences qu'on choisira. Ça aussi, quelles essences, quelles cultures on met en terre par rapport au réchauffement climatique, c'est la première piste que les exploitants devraient aujourd'hui explorer. Aller vers des cultures peu gourmande, adaptée. Et si on parle du maïs, par exemple, le simple fait de travailler en maïs population et pas avec les maïs transgéniques Monsanto et compagnie qui sont hyper gourmands en eau, qui se développent pas si on les arrose pas largement, c'est une alternative qui est déjà en œuvre, notamment dans les réseaux de la conf et qui est diablement efficace. Donc voilà, là, c'est du très concret. Des forêts pour protéger les captages en eau potable. C'est la base et c'est le plus efficace. Je ne sais pas si je peux encore prendre 2-3 minutes là. Tu peux. Oui, merci. Puisqu'on parle de solutions, je voudrais tout de suite désarçonner des trucs qu'on nous présente au même titre que les bassines, comme des grandes solutions techniques extraordinaires sur la question de la flotte et notamment de l'eau potable. Je vais en citer quelques exemples. Hein, la désalinisation. Comme la côte est pas loin, on voit bien par exemple sur la Vendée que tout ça se heurte. Maintenir un tourisme de bord de mer avec le maïs à moins de 5 km, eh bien, ils ont des problématiques d'alimentation. Donc les unités de désalinisation, c'est la fausse bonne idée, c'est hyper coûteux, c'est de l'hyper-technologisation et ça fait le lit derrière la privatisation. Hein, parce que l'inverse de ça, c'est une eau de qualité au puits de tout le monde. Et là, très clairement, on sort. Donc, quand l'eau se technologise, la privatisation, elle vient avec directement. Pour dire en Vendée où ils en sont dans le délire, ils vont innover. Je crois même que c'est au niveau mondial, puisqu'ils vont monter une usine. Je crois que c'est au Sable d'Olonne, de recyclage des eaux usées pour la repotabiliser. Vous voyez un peu le délire. Grosso modo, le pipi et le caca vont repasser à la moulinette. Alors ce sera des nanotechnologies, des nanotuyaux et compagnie, pour que derrière on puisse avoir une eau consommable. Voilà, ça c'est dans les tuyaux. Il y a aussi toute une réflexion aujourd'hui sur la question du recyclage des eaux usées, c'est-à-dire que grosso modo, il y a tout un tas de techniciens, d'ingénieurs, etc., qui disent que, par exemple, les stations d'épuration de Niort, avant d'être rejetées dans le milieu, cette eau pourrait aller sur des cultures. À ça, on a tout de suite deux très grosses précautions. L'eau qui serait prise pour l'irrigation sera aussi de l'eau retirée au milieu naturel. Quand les stations d'épuration fonctionnent bien, ça redonne de la flotte au milieu. Et pour l'illustrer, pratiquement tous les étés, le très faible débit qui arrive à se maintenir dans la vallée du Mignon, il y a quelques litres d'eau qui passent par seconde dans le fond de ce qui continue à ruisseler, c'est exactement le débit de la station d'épuration.
Donc finalement, bah, si on supprime ce peu de flotte, on supprimera le peu de flotte qui reste au fond, qui permet aujourd'hui un maintien minimaliste de la biodiversité qui a besoin d'eau. Et puis il y a évidemment la question de la qualité des eaux. Quand ces usines dysfonctionnent, bah, elles peuvent être porteuses également de pathogènes. Et des cultures arrosées avec des pathogènes, différentes bactéries, bah, ça pose des problèmes de santé humaine derrière. Ça me fait dire qu'il y a un terme dont on n'a pas du tout parlé pendant la conférence et qui est une des grosses problèmes sur lequel on appuie aujourd'hui, c'est qu'on a des retours d'expérience des bassines du sud Vendée où on s'aperçoit qu'il y a des bactéries pathogènes, donc des bactéries néfastes pour la santé humaine et la santé animale et même végétale, qui se développent dans les bassines parce que ben, finalement les bassines c'est quoi ? C'est de l'eau qui était de bonne qualité dans la nappe mais qu'on va exposer au soleil, au réchauffement, aux pollutions aériennes, à l'évaporation. Aux crottes des différents oiseaux qui ne manqueront pas de venir faire trempette dans la grande bassine, comme c'est déjà le cas. Il y a des centaines de goélands qui fréquentent les bassines. D'ailleurs, goélands qui ensuite vont aller bouffer toutes les espèces protégées, comme les outardes canepotières, etc. Ça aurait dû alerter fortement le groupe ornithologique, ce genre de choses. Ça les alerte, hein, pour certains d'entre eux, en tout cas. Mais il y a aussi un impact de biodiversité très local autour des bassines. J'ai un petit peu perdu le fil dans cette histoire. J'étais en train de lister les fausses bonnes idées. La prolifération ben voilà, c'est ça. Les retours qu'on a notamment du CFC. C'est ça. En fait, il y a deux bactéries qui se développent dans les bassines et qui présentent des vrais risques pour la santé humaine. Ce sont les cyanobactéries. Autrement appelé algue bleue. Alors, il n'y a pas de plante mauvaise en soi. Hein. Les cyanobactéries, c'est même nos ancêtres. Les premières formes de vie sur Terre, ce sont des algues bleues. Comment est-ce qu'on appelle cette plante aussi qu'on consomme beaucoup La spiruline, c'est aussi une algue bleue. Mais il se trouve que chez certaines souches d'algues bleues, il y en a qui vont, notamment en phase de croissance, pour faire le ménage autour d'elles, émettre des cyanotoxines. Et ces cyanotoxines, à certaines doses, sont mortelles pour les petits animaux. Il y a eu plusieurs dizaines de chiens qui sont morts l'an dernier dans le Lot d'avoir simplement bu l'eau de la rivière. Cette année, ces cyanobactéries se sont développées en masse dans des réserves d'eau potable que sont le lac du Sébron et le barrage de la Touche Poupard. Ces cyanobactéries, on trouve comme facteur de développement les nitrates, les phosphates et la chaleur. Et avec le réchauffement climatique, on peut le dire aujourd'hui, les cyanobactéries seront une des grosses problématiques des 10 ans qui viennent. Si on doit trouver, par exemple, un impact si les cyanos viennent à se développer chaque année dans le marais Poitevin, ça peut remettre en cause le tourisme et les promenades en barque sur ce marais. C'est 1 million de visiteurs et c'est toute une économie qui en dépend. Et la grande catastrophe, c'est le jour où il y aura un éleveur de ces éleveurs qu'on chérit et qui continuent à mettre leurs vaches à l'herbe et qui les nourrissent pas à l'ensilage et qui continue à mettre, comme le copain Tony Martins, à Saint-Hilaire-la-Palue. Le jour où Tony nous apprend qu'il a une de ses vaches qui est morte parce qu'elle aura bu de la flotte pleine de cyanobactéries, ben, la messe sera dite, quoi. Et puis un second pathogène qui se développe là plus précisément dans la tuyauterie, qui est un peu plus connu que les cyanobactéries, ce sont les légionelles, la légionellose, qui se développe dans les tuyauteries où l'eau stagne et où l'eau chauffe. Quand l'eau est à plus de 30 degrés, qu'elle stagne, et ben on a ces légionelles qui peuvent se développer et qui, quand elles vont ensuite être pulvérisées, ça c'est un élément très important, ça devient dangereux et ça devient vecteur quand on aspire de l'eau pulvérisée. Donc par exemple, si vous êtes à l'hôpital et qu'il y a de la légionelle et puis vous prenez votre douche, c'est là que vous allez être contaminé. Ben, typiquement, aujourd'hui, la légionelle a été trouvée dans tous les systèmes de tuyauterie des arroseurs du sud Vendée. Si ce n'est déjà le cas, des gens qui seront contaminés par la légionelle, qui est une maladie mortelle hein, quand elle n'est pas traitée comme il faut, ou si on a un terrain asthmatique ou ce genre de choses. Donc on aura des cas de légionelle. Il y a déjà plusieurs cas de légionelle isolés qui ont été repérés ces dernières années. Là-dessus, il faudra qu'un jour l'ARS, l'Agence régionale de santé, regarde de beaucoup plus près ça. Et la dernière mauvaise idée que je voulais dénoncer, parce que là, pour le coup, c'est directement en lien avec les bassines, on voit fleurir, et au même rythme que les bassines sur le territoire, les projets de méthaniseurs.
Alors, si fondamentalement c'est comme le principe d'irrigation, on n'a pas de grief contre cette solution technique qui permet, avec de la matière organique, des crottes de vache, de faire de l'énergie. Le principe, ben, pourquoi pas? Toute la question, elle est toujours aussi du dimensionnement, de faire de l'énergie, pourquoi faire derrière? Et puis, comment on alimente ces méthaniseurs? Et si je fais un dernier zoom sur ces méthaniseurs, c'est qu'il y en a un très gros qui a été mis en place sur la vallée du Mignon, à Mauzé-sur-le-Mignon. Donc pareil, hein, on trouve les mêmes partenaires financiers que sur les bassines. Et puis que c'est super vertueux parce que ben, finalement, on va faire de l'énergie et chauffer des bâtiments publics avec les crottes des vaches, les 8 fermes aux alentours. Ben, en fait, déjà, centraliser le fumier de plusieurs milliers de vaches sur une même ferme, très clair, sur un même lieu, très clairement, c'est des allers-retours incessants de tracteurs. Et finalement, c'est un modèle énergétique, mais qui est pleinement basé sur le pétrole. Le jour où il n'y a plus de pétrole pour mettre dans le tracteur, bah, on n'alimente plus la bête. Et puis également, ben, c'est vraiment un ogre. Ces espèces de méga digesteurs nécessitent qu'on leur donne d'autres nourritures que simplement les crottes de vache. Et donc, les méthaniseurs tournent, alors selon les territoires, mais c'est vraiment des machines à avaler toute la matière organique. Ça va très clairement en opposition avec le fait, au contraire, de laisser la matière organique dans les sols, de par exemple laisser les chaumes, la paille, etc., être digérées par la microfaune du sol. Au contraire, toute matière végétale, toute matière organique va devenir une espèce de ressource productrice d'énergie. Ben, le comble des combles, c'est qu'on voit aujourd'hui des cultures de maïs irrigué spécifiquement. Depuis 2 ans, on voit un truc hallucinant, c'est qu'une fois que le blé est fini et récolté au mois de juin ou selon voilà ou début juillet, des exploitants relancent un maïs directement derrière, dont ils savent pertinemment qu'il n'aura pas le temps de faire le moindre grain, dont ils savent pertinemment qu'il faudra certainement l'arroser alors qu'on sera sur des périodes de pénurie d'eau et d'arrêtés préfectoraux. Ils utiliseront la même technique que d'habitude en disant que c'est pour alimenter les vaches. Donc on a des champs de maïs maintenant qui sont mis en terre très très tard dans la saison, qui vont être arrosés très très tard dans la saison, et dont l'objet est de faire de la matière organique pour nourrir le méthaniseur. Pour finir sur le méthaniseur, en fait, l'essentiel de l'énergie produite par le méthaniseur, ben, c'est pas pour chauffer le collège ou la piscine ou les bâtiments publics, ça c'est l'opération de greenwashing. L'essentiel de l'énergie est utilisé pour sécher du maïs grain pour ensuite l'emmener au port de la Palisse. Voilà. Donc on avait posé la question le jour de l'inauguration de Déméter. C'est rigolo, ça s'appelle Déméter ce truc-là. Françoise Coutan, qui était conseillère régionale pour les Verts et qui était chargée des politiques énergétiques pour la région et donc financeuse de cette opération, on était allé la voir pour lui dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le financement de la région, vous avez mis dans le cahier des charges que aucune matière irriguée ne pourra venir alimenter ce méthaniseur? Et clairement, il n'y avait rien dans le cahier des charges. Donc ça veut dire que finalement, si on boucle cette boucle, parce que finalement, Beauvais n'est pas resté longtemps sur le territoire, mais il a tout de suite compris où il était. Il a parlé du pays de l'absurdie. Ben voilà une belle absurdité. C'est-à-dire que pour chauffer l'eau de la piscine municipale, on va vider la rivière Mignon, dans laquelle tous les gamins du canton ont appris à se baigner quand ils étaient jeunes. On va vider la rivière Mignon pour stocker l'eau dans des bassines, pour arroser du maïs qui va aller dans le méthaniseur qui va faire chauffer l'eau. Ben voilà, ben c'est ce genre de boucles absolument épouvantables qu'il faut qu'on condamne et qu'on stoppe au plus vite. Complètement. Et je crois que ce sera le. Merci Julien, je crois que ce sera un peu le mot de la fin parce que on a fait 1h45 Et oui. d'audition. Donc merci beaucoup à toi d'avoir participé, d'avoir Avec grand répondu plaisir. présent. Et puis bah on dira jamais assez, mais Nobasaran, Eh ben ouais. hein, il faudra le répéter encore assez souvent, en espérant que cette bataille se finisse le plus vite possible et de la meilleure des façons pour nous, pour nos sols, pour notre eau, pour notre agriculture et surtout pour l'avenir, parce que derrière, eh ben, espérons aussi que on ait des élus la prochaine fois plus capés, qui s'informent sur les sujets et qui prennent les bonnes décisions. Ça va être l'important de ces prochaines années, de ces prochains mois. Donc merci à tout le monde aussi sur le live d'avoir répondu présent.
Merci pour les nombreuses questions qui ne sont pas. On n'a pas eu le temps de les traiter. Mais ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement y répondre ensuite, et pas laisser les personnes sans réponse. On pourra prendre le temps de répondre à vos questions dans les commentaires. Ouais, il y aura des réponses dans les commentaires suite au live. D'ailleurs, il y aura de toute façon la rediffusion de ce live-là un peu plus condensée, parce que la dernière fois, on avait fait une intro assez longue. Donc là, on va corriger par rapport à avant. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présent tout le monde, et puis à très bientôt. Peut-être une toute dernière chose sur le collectif et son fonctionnement, parce que ce collectif il est ouvert, et ce qui fait aussi l'efficacité de BNM, c'est que on est près d'une trentaine depuis 3 ans à s'y consacrer quasi quotidiennement, hein. Il y a vraiment et donc tous les mercredis en mode Covid et sous forme de visioconférence, mais vous êtes les bienvenus. Ouais, si tu veux partager les liens de vos visioconférences pour grossir les rangs et la réflexion. Ou d'inviter les gens qui voudraient nous rejoindre à se manifester et à ce qu'on les intègre, en effet. Ouais. Et puis, ils peuvent nous contacter via le site Sinon Merci. Il y a une rubrique contact, et il suffit qu'ils nous en fassent part et voilà, on pourra les intégrer. C'est ce que je voulais faire pour la fin. N'hésitez pas à mettre un like sur les pages de BNM, à demander en ami aussi un compte donc Bassine Non Merci pour avoir toutes les actus, d'aimer aussi notre page Facebook Les Deux Sèvres en Commun et de nous suivre, parce que très régulièrement on va faire ce genre d'audition sur différentes thématiques, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment sur énormément de thématiques sur ce territoire et nationalement. Merci à tout le monde, et puis on se dit à la prochaine fois. N'hésitez pas à faire vos propositions pour les élections départementales régionales sur notre site 79encommun.fr, et de faire un tour sur le site bassinenonmerci.fr pour voir aussi toute l'actualité et tout l'argumentaire qu'il y a dessus. Merci Julien, merci Mélissa, et puis au revoir le live. Bonsoir tout le monde. Salut, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est nous qu'on va gagner.